Nous avons voulu associer, et ça c'est un point, une ligne très forte de l'action de la LFA, associer à la pratique l'éducation. Au-delà du changement de nom, c'est un festival qui annonce notre volonté d'en faire une fête de la fin de l'école de football. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas simplement des matchs. Il y a autour de ces matchs un certain nombre d'activités collectives. Et justement, la logique d'équipe est mise en avant. C'est une organisation énorme dans la mesure où pour la première fois nous avons 48 équipes hein, puisque nous avons instauré la parité, 24 équipes garçons, 24 équipes féminines. À l'heure où le football féminin se développe beaucoup sur tout le territoire, il était normal d'avoir autant d'équipes de filles et de garçons et on s'est aperçu qu'il y avait un très grand respect entre les filles et les garçons qui s'encouragent de match en match et c'est également très prometteur pour l'avenir. Du 13, c'est d'abord l'association de rencontres traditionnelles, mais également de défis techniques et de quiz pour finalement mettre en place une sorte de compétition à visée éducative où l'objectif c'est de former des footballeurs citoyens. On a choisi deux défis techniques qui correspondent aux objectifs que l'on doit se fixer avec des jeunes de 11-12 ans, à savoir la conduite de balle et le parcours jonglé. C'est-à-dire un parcours en mouvement et à base de jonglerie. Avec aussi une finalité pour ces deux défis, c'est de terminer par une finalité du but avec une bâche et donc des cases de précision à atteindre pour chacun des enfants. On a mis en place donc un arbitrage qui est tutoré par de jeunes arbitres et cela bien évidemment pour montrer à nos jeunes joueurs que être joueur de football aujourd'hui, c'est aussi savoir arbitrer, c'est connaître les règles du jeu et c'est aussi comprendre combien c'est parfois difficile de prendre une décision sur l'arbitrage. De l'Olympique Lyonnais devant Mérite. Ça s'est très 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 bien passé et on est vraiment très satisfait de cette initiative qui permet aux jeunes déjà de comprendre la difficulté de la tâche et la difficulté d'être arbitre assistant. Et puis ça permet aussi aux parents aussi de s'apercevoir que c'est très difficile d'être arbitre et donc de respecter encore mieux les arbitres. On a souhaité faire du festival aussi un projet qui dépasse le cadre de l'équipe en associant les parents notamment. Et on a donc mis en place une sorte de concours de supporters qui a complètement réussi et qui permet surtout de mettre en évidence chez les parents ce besoin de supporter positivement, d'avoir un rôle social positif auprès des enfants et non pas un rôle partisan. Bah, ça se passe très bien. Nous, on est venus là pour supporter nos petites filles. Très très bien. Ça se passe très bien organisé, impeccable. Nous allons procéder donc à la remise des récompenses, moment que vous attendez tous. On ne va pas dire le mot vainqueur, mais plutôt le mot lauréat. Que je trouve que lauréat, ça va très bien avec le mot festival, c'est-à-dire une équipe qui représente un club qui a mis en place un vrai projet autour, bien évidemment, des activités du football que sont l'entraînement et le coaching des enfants, mais également l'apprentissage des règles, des valeurs qui sont chères à la Fédération française de football.